de rédiger le texte d'introduction de l'exposition Paléobulle, que vous avez peut-être vu. Sinon, vous avez encore 3 semaines pour la visiter, puisqu'elle ne sera pas démontée avant. Mais elle sera démontée dans le mi-mars. Voilà. Nous accueillons notre séance de rencontres que nous avons donc en septembre sur les livres historiques, avec cette fois-ci un détour par la bande dessinée, effectivement. Donc Didier Passamoni est quelqu'un de... Oh, je ne vais pas pouvoir le décrire parce qu'en fait c'est quelqu'un de multicarte, en fait, quoi, qui a énormément d'activités. Encore on échangeait tout à l'heure sur le sujet. Il est bien évidemment rédacteur en chef d'Actua BD. C'est un expert de la bande dessinée, mais il est également commissaire d'exposition, il est auteur, il est éditeur, il est membre de jury, notamment en Angoulême. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui a énormément d'occupations, et pour le coup, c'est un privilège de pouvoir l'accueillir ici au pôle, dans nos locaux. Voilà. Alors je vais juste vous dire que... Je voulais vous dire que donc vous aurez bien évidemment, comme à chaque rencontre organisée au pôle, la possibilité, après l'intervention de Didier Passamoni, de réagir, de lui poser toutes les questions que vous souhaitez, éventuellement d'apporter votre point de vue, votre contribution également. Bref, ça peut être un dialogue, surtout que vous n'êtes pas très nombreux ce soir, donc du coup, les conditions du dialogue seront plus faciles encore. Et cela vaut également pour les personnes qui nous suivent en ligne, puisque vous savez que désormais, au mois de septembre dernier, l'ensemble de nos conférences et rencontres sont diffusées en direct sur YouTube. Donc je m'adresse aux personnes qui sont en ligne. Elles ont la possibilité également de poser un certain nombre de questions à Didier Passamoni. On se parle bien du chat et on se chargera de répercuter toutes ces questions. Donc un petit conseil à leur attention, de bien rédiger leurs questions le plus intelligemment possible pour que ça ne prête pas à confusion sur l'interprétation de leurs questions. Enfin, voilà, on les répondra littéral. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Didier Passamoni, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci. La représentation de la histoire et de l'interroger de façon avec un esprit critique. Comme je l'expliquais dans le texte d'introduction de l'expo, je pense qu'il faut aborder les représentations avec un esprit de critique historique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette représentation a pu évoluer dans la bande dessinée. Et on va voir que ça dépend essentiellement de deux choses. La première, c'est que la bande dessinée est un produit de consommation, donc on doit vendre du rêve au lecteur, on doit lui vendre aussi, j'aurai l'occasion d'en reparler, on doit lui vendre aussi de l'information, voire de la formation. Et ce qui est intéressant dans la préhistoire, c'est que c'est typiquement le type de sujet sur lequel on n'a rien. En fait, on a trois bouts d'os, deux, trois cailloux. Donc, c'est le rôle des historiens de faire travailler l'imagination, de projeter une représentation de ce que peut être la préhistoire. Et évidemment, ça tourne autour de certains stéréotypes qui vont se construire petit à petit. Et ce qui est important dans le dessin, dans la bande dessinée, c'est que ces stéréotypes s'inscrivent immédiatement dans les imaginaires. C'est-à-dire qu'on va voir certains points d'accroche autour desquels vont s'organiser les représentations.
Et donc, c'est un petit peu ce parcours-là que je propose de faire aujourd'hui. Et là, la première grande représentation, c'est évidemment lié aux travaux sur l'hérédité de Darwin, hein, qui date de 1859, de l'origine des espèces, 1859. Et c'est important, cette date, parce que 1859, la bande dessinée, elle est née vers 1830 avec Topfer, mais bien avant, il y a les images d'Épinal. Et les images d'Épinal sont des supports pédagogiques. Et donc, il va y avoir des images fortes qui vont se diffuser, ce qui choque les gens, évidemment, dans la thèse de Darwin, c'est la possibilité que l'homme puisse descendre du singe, et ça, c'est assez insupportable. C'est reçu comme une insulte. Et ce syncrétisme de l'association de l'homme et du singe va s'installer vraiment pour longtemps dans l'imaginaire collectif. On va les retrouver dans les bandes dessinées qu'on va voir plus tard. Et ce qui choque d'autant plus les gens, c'est que la science va confirmer les thèses de Darwin. C'est-à-dire que déjà en 1856, donc l'origine des espèces est 1859, 1856, c'est la découverte de l'homme de Néandertal, et en 1868, c'est l'homme de Cro-Magnon. Et donc, on va se rendre compte que ce qui semblait être une aberration a une justification scientifique au moment où la science prend son essor au XIXe siècle. Alors, ce corpus s'accompagne d'une théorie des races, hein, qui est popularisée par les travaux de Joseph Arthur Gobineau, Essai sur l'égalité des races humaines, 1853, et qui devient immédiatement une justification pseudo-scientifique pour justifier le destin des peuples civilisés face aux peuples frustes, hein, que l'on considère comme proches des singes. On va dire que les Africains, par exemple, sont moins loin dans l'échelle de l'évolution que ne le sont les Européens. Donc tout ça, ce fatras scientifique, va faire le lit d'un racialisme qui mène à la Shoah. Hein. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, Benny Lévy, qui était le secrétaire de Jean-Paul Sartre, parle, quand il définit la Shoah, il va dire c'est à la rencontre entre les Lumières, le siècle des Lumières, L majuscule, et la nuit. Donc tout ça se retrouve dans les bandes dessinées. Ça se retrouve d'autant plus que la tradition au XIXe siècle, c'est que l'image est un support pour l'éducation. C'est une recommandation du philosophe anglais David Hume qui recommandait d'utiliser l'image pour l'éducation des jeunes. Et dans le siècle qui a suivi, la reconnaissance du 9e art, qui existe depuis 50 ans, a commencé par une surdétermination de la valeur éducative. Hein, par exemple, les aventures d'Alix, on va essayer de les justifier comme des éléments de valeur historique, même si, au détour d'une représentation de Rome, Jacques Martin va dessiner par erreur le musée archéologique qui a été construit seulement en 1953. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder tous ces dessins, toutes ces bandes dessinées, avec un minimum de distance et d'œil critique. C'est-à-dire les dessinateurs, ils font avec ce qu'ils ont. Et il y a un dialogue permanent entre les historiens et les dessinateurs. Quand Astérix est créé en 1959, Uderzo se dit « Bon, ok, j'ai un village. Alors, est-ce qu'il est rond ou carré? Est-ce que l'enclos autour du village est rond ou carré ?» Bon, il va faire rond parce que c'est mieux, c'est plus joli à dessiner, mais en fait, on n'en sait rien.
les historiens vont regarder Astérix et vont dire, ah ben, au fond, c'est rond, car les travaux vont commencer à partir de ce moment-là. Autre chose, dans le premier script d'Astérix, si on lit le scénario original de René Goscinny, Astérix et Obélix chassent le lièvre dans la forêt. Ils ne chassent pas le sanglier. Mais Uderzo, au moment de dessiner les premières pages d'Astérix, se dit bah oui, mais c'est pas très drôle, un lièvre ramené sur le dos comme ça, et donc il va dessiner un sanglier. Et voilà pourquoi Obélix mange du sanglier à longueur de repas. Après coup, les historiens vont dire est-ce qu'il mangeait du sanglier ? Et puis on va faire des études. Il y a des chantiers entiers où on va regarder quelle est la nourriture des Gaulois. On va s'apercevoir que les Gaulois, ils élevaient les porcs comme tout le monde, quoi. Enfin, ils ne mangeaient pas spécialement du sanglier. Et puis, il y a plein d'autres erreurs dans Astérix. Les menhirs, c'est celte, c'est pas gaulois. Enfin, bon, bref, la serpe d'or ne coupe pas, donc il y a plein de... Mais Goscinny et Uderzo ont toujours précisé, aujourd'hui, que Astérix n'était pas une leçon d'histoire. Astérix est une parodie de l'histoire, une projection de nos choses contemporaines sur l'histoire. Et c'est vraiment ça, la bande dessinée. Ce sont des projections. C'est des projections qui vont s'organiser autour de fictions. Alors les fictions qui sont importantes et qui vont structurer la représentation de la préhistoire, c'est La guerre du feu de Jean Rony Aîné, un romancier belge, qui va s'appuyer sur les travaux des premiers archéologues pour raconter l'épopée prométhéenne de la découverte du feu. Alors l'auteur situe son intrigue 100 000 ans dans le passé, hein, c'est l'homme des cavernes, c'est un peu lui qui va former le vocable, et il met en concurrence deux héros, l'un qui s'appelle Nao, fils du léopard. Alors il est fin, altier, raffiné, et il est face à un méchant qui est Agou, le fils de l'auroch, qui est décrit sous la forme d'une brute velue et au visage simiesque. Donc on va retrouver les caractéristiques de l'homme de Néandertal, mais qui est véritablement un homme singe. Et cette opposition entre le Kouros aux cheveux blonds raffinés face à l'antagoniste qui est brutal, vulgaire et qui a une tête de singe, on va la retrouver jusque dans Raon plus tard. Mais il y a un passage aussi par Tarzan. Tarzan, c'est 1912. Donc on est très proche. Hein. La guerre du feu, 1909. Tarzan, 1912. Derrière, il va y avoir des films. Vous verrez jamais dans les bandes dessinées de Tarzan le dessin du nombril de Tarzan. C'est interdit. C'est interdit aussi dans les films, parce que le code ICE interdit de montrer le nombril. On peut montrer les pectoraux, mais pas le nombril. C'est pour ça que Johnny Weissmuller porte le slip jusqu'au-dessus du nombril. Et dans les bandes dessinées, le nombril de Tarzan est soigneusement effacé par les censeurs, aussi bien américains qu'européens. Donc il y a Tarzan, il y a la guerre du feu, il y a Tarzan. Il y a une troisième représentation qui est importante, c'est Lost World, le monde perdu d'Arthur Conan Doyle. On va évoquer les dinosaures, les premiers, les tyrannosaures, etc., les fameux dinosaures qu'on va retrouver jusqu'à Jurassic Park. Et là aussi, on est en 1912, c'est-à-dire la même année que Tarzan. Hein, vous voyez, c'est très proche, la guerre du feu 1909, Tarzan et le monde perdu 1912. Et donc, tout ça se retrouve dans la bande dessinée. On va commencer à adapter
la guerre du feu. On trouve dès 48 dans l'Explorateur. Alors, j'oublie de passer les images, mais je vais... Donc ici, vous voyez la guerre du feu de Ron Yenné. On est vraiment dans le discours prométhéen. C'est vraiment c'est le premier découvreur du feu, c'est Prométhée. Ici, on voit la guerre du feu. Évidemment, on voit l'homme musclé blond, forcément, qui combat soit des aurochs, soit des mammouths. On imagine un homme seul face à un mammouth, c'est pas extrêmement crédible. Et évidemment, donc le Lost World, c'est lié à toute une littérature qui est la première littérature de science-fiction, hein, avec la machine à remonter dans le temps. Et puis Lost World, on va découvrir ces iguanodons qu'on a découverts à Bernissart, en Belgique, juste à la fin du 19e siècle. Tout ça nourrit les imaginations et aboutit à Tarzan. Donc, Tarzan, c'est vraiment Tarzan of the Apes, quoi. C'est Tarzan, l'enfant des singes. Et voilà, donc, dans l'Intrépide ou dans... on va découvrir la guerre du feu par Funken. Il y a Pelos. Alors Pelos, c'est pas n'importe qui, c'est le créateur des pieds nickelés. Enfin, c'est pas le créateur des pieds nickelés, c'est celui qui a repris les pieds nickelés de Louis Forton. Et c'est un dessinateur sportif qui va donc être très connu ensuite en tant qu'animateur des pieds nickelés. Et Pelos nous représente en fait, c'est un vrai, comment dirais-je, c'est un vrai standard. Hein. Il nous représente son personnage. Autant Tarzan avait une peau de léopard, donc on va retrouver un personnage qui s'appelle Nao, qui est une espèce de Kouros, hein, glabre et réfléchi, dont le profil apollinien n'est pas sans évoquer la statuaire fasciste. Hein. Tout ça est de cette époque-là. C'est une œuvre qui date de 1934. Et ils sont face à des êtres poilus, voûtés, stupides, agressifs, qui ressemblent donc au grand singe de l'Homo erectus. Et après, il va y avoir une structuration, donc à partir de ces stéréotypes, il va y avoir une structuration qui va aller dans différents sens. Le premier sens qui est évident, c'est l'approche pseudo-historique. Encore une fois, les dessinateurs vont chercher des documents. Et surtout, leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, regardez, la BD que j'ai faite, elle est pédagogique. Pourquoi c'est important? Parce que il y a cette fameuse loi du 3 juillet 1949. Le 3 juillet 1949, les députés vont voter par 422 voix contre 181, qui sont des voix qui sont essentiellement... ceux qui s'y opposent, c'est les communistes et apparentés. Et c'est une loi pour la protection de la jeunesse qui était conçue sous Vichy et qui va être promulguée juste après la guerre. Alors, en fait, c'est une loi de protectionnisme. C'est-à-dire que la BD américaine avant la guerre, avec le journal de Mickey, Robinson et les productions Winkler, mais aussi les bandes dessinées italiennes, donc ces bandes dessinées étrangères avaient... durablement affecter la presse française, la presse pour la France, pour la BD jeunesse française, qui était vieillotte. Hein. Souvenez-vous quand même que Bécassine avait un texte sous les cases, tandis que Mickey, il y avait des ballons. Donc on avait d'un côté une bande dessinée moderne qui était en plus soutenue par le cinéma. Il y a Mickey, mais aussi Félix le Chat. Il y a également Charlie Chaplin qui va devenir un héros de bande dessinée. Et donc, il y a cette bande dessinée-là qui fait qu'en gros, 30% des publications françaises qui existaient avant la guerre de 14 disparaissent dans l'entre-deux-guerres et sont remplacées par ces productions américaines qui sont d'autant plus intéressantes que
c'est pas des créations, faut pas payer des artistes, c'est des reprises de productions étrangères. Et donc, les auteurs vont s'organiser pour que cette loi de protection puisse sortir. Et elle est soutenue à la fois par la presse catholique, qui a des gros intérêts dans la presse jeunesse, et également, dans un deuxième temps, le Parti communiste, qui publie le journal Vaillant, le futur Pif Gadget. Et donc, c'est leur association qui va aboutir à la création d'une commission de surveillance et de contrôle, hein, et qui va être présidée à un moment par Yvonne de Gaulle, l'épouse du chef de l'État, et qui commence ses travaux en mars 1950. Et dans son article 2, la loi stipule que toute publication destinée à la jeunesse ne pourra comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche et tout acte qualifié de crime ou de délit de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Et donc, cette commission de contrôle va vraiment mettre une chape de plomb sur toute la production, d'où la réaction des créateurs qui vont surdéterminer le caractère pédagogique de leur création. Évidemment que Paul Vinclair, qui est le créateur du journal du Mickey, va se battre avec bec et ongles contre cette loi, mais il n'y arrivera pas, elle va être promulguée. Et elle impose des quotas, elle impose par exemple un quota d'auteurs français. Il ne peut pas y avoir une seule publication en France sans qu'il n'y ait pas 25% de création française. Et la commission va transmettre des indications aux auteurs. Par exemple, le marsupilami est critiqué parce que c'est un personnage, c'est un animal qui n'existe pas. On va faire enlever les revolvers dans les bandes dessinées de Spirou parce qu'il ne faut pas effrayer la jeunesse. Black et Mortimer va être interdit. Il y a un Alix qui va être interdit parce qu'on soupçonne que c'est une allusion à la guerre d'Algérie. Enfin, et donc tout ça va provoquer un mouvement de production. Par exemple, dans Spirou, les histoires de l'oncle Paul qui vont être la caution pédagogique du journal, ou dans Spirou, les histoires vraies du journal Tintin, dans Tintin, les histoires vraies. Donc, et puis la multiplication de récits historiques, et donc notamment Timour, de l'écrivain Xavier Snook. Timour, ça date de 1953, où on va montrer la tribu de l'homme rouge. Et c'est la première histoire des Timours, parce qu'après, Timour va accompagner toute l'histoire de la France. Donc, il n'y a que la première histoire qui raconte la tribu de l'homme rouge. Et c'est, on va retrouver une lutte entre clans pour la nourriture qui aboutit à un massacre. Et donc, le jeune guerrier roux Timour sauve un jeune assaillant blessé, Naoum, et puis il décide de s'unir pour survivre. Et ils affrontent des animaux sauvages. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est des mammouths, des aurochs, des ours géants, tout en découvrant leurs congénères. Et donc, il y a une pédagogie, hein, puisqu'on va montrer les pêcheurs des marais, les tribus troglodytes. Et en permanence, c'est la lutte pour la survie dans un contexte relativement réaliste. Cette séquence donc ne dure qu'un temps et elle va être imitée par un autre personnage que les plus anciens d'entre vous ont dû voir passer. C'est Tunga dans Tintin. Et là, on retrouve le cliché de la guerre du feu de Jean Rony Aîné, hein, puisque Tunga est le plus vaillant guerrier de la Horde des Gmours. Il défend les siens contre les tribus ennemies, mais aussi contre les mammouths, les tigres à dents de sable, les smilodons, les aurochs, les gorilles géants, et même un tyrannosaure. Donc là, on n'est plus trop dans la pédagogie, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi.
C'est aussi parce que la BD commence à avoir pas mal de succès et on commence à faire un peu moins attention. Mais on est dans une espèce de vérisme qui, bien qu'il évolue vers du fantastique, surtout vers la fin, précède en fait de quelques années une des grandes figures de la BD préhistorique, c'est Rahan. Rahan qui a fait l'objet d'une expo ici il y a quelques temps. Alors, Rahan est né dans Pif Gadget, hein, dans le numéro 1 de Pif Gadget du 3 mars 1969, soit 7 ans après Tunga. Et Rahan, c'est le fils des âges farouches. Il a un dessinateur talentueux, c'est André Chéret. Alors, André Chéret, il applique au fond les anatomies de la bande dessinée américaine. C'est-à-dire que dans les années 60, Jack Kirby en particulier crée les 4 Fantastiques et une bande dessinée des comic books dont les graphismes, les musculatures sont emphatiques. C'est-à-dire on va prendre des contre-plongées avec des raccourcis qui font que on a affaire à, quelque part à des surhommes. Ce sont littéralement des super-héros. Donc celui qui a impulsé ça, c'est Hogarth avec Tarzan. C'est un peu lui qui va donner ce caractère un peu lyrique, emphatique à cette bande dessinée. Ce qui est intéressant avec Rahan, c'est que c'est une publication du Parti communiste français, hein, que le scénariste, c'est Roger Lécureux. Et tous les scénarios de Rahan vont tourner autour d'une invention. C'est-à-dire que... et puis Rahan, donc, encore une fois, on retrouve les stéréotypes. Il est blond, il est beau, c'est un kouros, vraiment. Et en face... tous ces antagonistes ont vraiment des visages de singes. C'est un énorme succès. Les ventes de Pif Gadget se stabilisent autour de 500 000 exemplaires par semaine. Imaginez, c'est des tirages énormes. Et donc, chez Rahan, on voit un personnage qui combat l'obscurantisme, le refus d'évoluer, l'inintelligence, les superstitions, les idées du passé. On a le Parti communiste derrière, c'est-à-dire que c'est les valeurs de partage, le capitalisme est un petit peu critiqué en sous-texte. Et puis, cet excellent dessinateur animalier qui est Chéret va créer un bestiaire qui va profiter de sa puissance graphique et narrative. Alors, on ne s'embarrasse pas trop de considérations historiques. Rahan se lave avec du savon, se rase avec son coutelas. On y aborde le thème du profit corrupteur, du féminisme, voire des méfaits de la drogue, une certaine sexualité à fleur, hein, que d'aucuns qualifièrent de homo-érotique, sans jamais verser dans la vulgarité. Alors, ce modèle de Rahan va rester longtemps dominant. Mais à fur et à mesure que la reconnaissance de la bande dessinée va se faire, on va un petit peu plus lâcher le côté artistique du dessin, et on va voir les auteurs chercher la caution historique, hein, notamment Roudier, qu'on voit dans l'expo en ce moment. Roudier va arrêter de faire des incohérences graphiques. Il va chercher à faire quelque chose qui va être le plus proche possible d'une réalité. Il y a moins de place à l'invention, il y en a davantage à une imagination fertile, c'est-à-dire une façon de répondre graphiquement aux travaux des historiens. Et il y a 3 albums de Néandertal qui vont paraître chez Delcourt.
Et d'ailleurs, l'auteur va être récompensé par son travail, puisqu'il a reçu plusieurs prix. Il a été exposé au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, au Neanderthal Museum de Mettmann en Allemagne, au Musée de l'Homme, au Musée national de la préhistoire des Essis, ici. Et on lui doit également une inévitable adaptation de la guerre du feu, qui est vraiment un standard. Alors, là, j'ai parlé de l'approche pédagogique, l'approche historique. Il y a une autre approche qui est intéressante, c'est l'approche romantique. On peut dire que là, le modèle, c'est Adam et Ève. C'est l'Éden, c'est le paradis. L'idée que la préhistoire, c'était le paradis d'avant la civilisation, d'avant l'homme qui détruit tout. C'est l'idée du bon sauvage, au fond, hein, c'est de Rousseau. Hein, c'est le noble sauvage dans son état naturel, sans la corruption de la civilisation, tel que le définit Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755. Tout ça, ça prépare le terrain, évidemment, aux recherches historiques de Darwin plus tard. Et il y a deux exemples de cette bande dessinée. C'est Saki et Zuni de Spirou en 1958. Hein. Saki est un jeune garçon seul, livré à lui-même et cherchant une âme sœur. C'est un jeune homme doué, hein, capable d'apprivoiser des mammouths, un tigre, un singe. Et chemin faisant, il va rencontrer Zuni qui tente de retrouver sa horde, qui devient son ami. Donc les premières aventures ont ce ton pédagogique qu'on retrouve chez Rahan quelques années plus tard. Les inventions sont les prétextes à histoire. Donc l'histoire est prétexte à histoire. C'est une série écologique avant la lettre. La nature y joue un rôle central et doit être respectée. Un autre exemple, il faut savoir qu'Haussmann, plus tard, va continuer sur cette voie. Mais encore une fois, ici, on est dans les années 50. Là, on est dans les années 2000. Et là, on va retrouver exactement la même structure, le couple originel, des personnages qui sortent nus de l'Éden. Mais on est dans une démarche déjà beaucoup plus artistique. C'est vraiment le graphisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'âge de raison de Mathieu Bonhomme. Alors, Mathieu Bonhomme, là, c'est son premier album, en fait. On est en 2002. Mathieu Bonhomme, aujourd'hui, c'est celui qui dessine Lucky Luke. Donc, rien à voir. C'est une version un petit peu moderne et réaliste de Lucky Luke. Mais là, en 2002, il reprend le thème de la guerre du feu de Ronnie Aîné, qui est d'ailleurs sorti sous la forme d'un film de Jean-Jacques Hano à peu près à la même époque. Là, on a une affiche de Philippe Druyet. Et je vous parlais de Druyet, c'est réellement une espèce de... C'est de l'expressionnisme, en fait, qu'on va appliquer à la guerre du feu. Et Druyet n'a pas peur. Et ça, c'est aussi une forme de modernité. Il n'a pas peur d'exagérer le trait, c'est-à-dire de montrer quelque chose d'invraisemblable. C'est presque de la... Druyet, c'est une des grandes figures du journal Métal Hurlant. C'est un grand auteur de science-fiction. Et donc, il y a une distanciation qui est faite par l'approche graphique qui dit au lecteur... ce qu'on vous raconte là, c'est une histoire. C'est pas l'histoire avec un grand H. Et ça, au fond, c'est un mouvement qui accompagne en fait l'histoire de la bande dessinée. Tout à l'heure, je vous parlais d'Astérix. Astérix, c'est une approche parodique, déconstructive de l'histoire. Goscinny le disait lui-même, c'est Carcopino, Jérôme Carcopino, l'historien, ancien ministre de Vichy,
qui écrit un jour à Goscinny pour lui dire que les sources historiques, de la documentation historique d'Astérix était de très bonne qualité. Et Goscinny, commentant cette remarque, lui dit « Oui, la documentation, oui, il a dû reconnaître la sienne. » Et donc, c'est vraiment ça, le dialogue entre les artistes et les historiens. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'aux États-Unis, on a BC de Johnny Hart, qui est un des grands succès de la presse quotidienne américaine. Ça, c'est une page du dimanche. Et au fond, c'est les peanuts dans la préhistoire. Ce qui est intéressant, c'est que Johnny Hart, en réalité, est un créationniste. Donc, sa vision de la préhistoire, elle ne supporte pas l'idée que l'homme descend du singe, puisque les créationnistes militent sur l'idée que c'est Adam et Ève qui sont les premiers êtres vivants sur Terre. Et donc, c'est intéressant de voir qu'un créationniste va parler de la préhistoire sous la forme de la blague, ce qui est une façon de dire que les travaux sur la préhistoire ne sont pas corrects, ne sont pas documentés. On va retrouver cette approche-là dans les Flintstones, mais là, on est un peu dans la même démarche qu'Astérix, c'est-à-dire qu'on va coller sur un background historique, on va coller les représentation moderne. C'est une rencontre entre la vie moderne et la préhistoire. Donc on est dans quelque chose d'autre, mais on est dans, encore une fois, dans des stéréotypes qui sont ceux de la préhistoire, les peaux de bête, si possible de léopard, puis quelque part, il faut absolument qu'il y ait des iguanodons ou des dinosaures, sinon on n'est pas content. Ça va même être indissociable. Donc, on retrouve là le cliché du Lost World de Conan Doyle. En 1953, quand Henry Verne envoie Bob Moran chasser les dinosaures, ou dans la vallée infernale, on est dans ces stéréotypes de l'aventure qu'on va retrouver jusqu'à Jurassic Park. Donc c'est vraiment, là on est dans des clichés qui se sentent dans les années 50, qui vont continuer en permanence à s'alimenter. Dans Spirou, il y a cette aventure absolument incroyable du voyageur de Mésozoïque, alors, qui est directement connectée aux iguanodons de Bernissart. C'est-à-dire que Franquin est belge, il y a le muséum d'histoire naturelle dans le quartier de Léopold de Bruxelles, où ces iguanodons sont reconstitués en énorme. Et donc, ça va lui donner l'idée, et là aussi, dans le voyageur du Mésozoïque, on retrouve une idée qu'on va reprendre dans Jurassic Park, c'est-à-dire que dans Jurassic Park, on va cloner des dinosaures. Dans le voyageur mésozoïque, on va avoir un œuf qui va éclore des milliers d'années plus tard. Parfois, la source, elle est purement graphique. Dans Adèle Blanc-Sec, par exemple, il y a ce fameux ptérodactyle qu'on va retrouver dans toute l'histoire. D'où elle vient? Simplement d'un dessin de Max Klinger qui s'appelle Gloves, où il a imaginé un ptérodactyle qui vole les gants d'une dame. Et c'est une série de dessins qui tournent d'ailleurs autour des histoires de... Et donc, ces stéréotypes se perpétuent. On va les trouver dès l'avant-guerre. Et c'est toujours... Alors ça, c'est intéressant. C'est que comme on est dans quelque chose qui se prétend éducatif, on va associer la préhistoire à l'enfance. Et donc, on retrouve des jeunes enfants qui vont vivre des aventures extraordinaires. Ici, par exemple, on a Alain Saint-Augan, c'est Mitou et Toti,
Et donc, il y a le chemin du passé, la route de l'avenir. Et eux aussi vont rencontrer la préhistoire. Dans Pilote, on a Archibald de Jean H. Qui, là aussi, on a des stéréotypes, c'est-à-dire, on ne sait pas d'où ils viennent. Hein, comme quoi, les hommes des cavernes traînaient leur compagne en les tirant par les cheveux. Et puis, cette grosse massue... Les historiens vous diront que c'est pas très très crédible tout ça, mais enfin bon, c'est la filière humoristique, c'est la vision humoristique de l'histoire, et c'est une déconstruction dans laquelle tout un chacun va pouvoir se projeter, comme ici c'est Johann Sfar qui se projette lui-même, il se dessine lui-même en homme musclé. Avec ses deux enfants, c'est une série d'albums qui n'aura pas de suite parce que ça marche pas vraiment, mais on retrouve exactement les mêmes stéréotypes que dans Rahan ou dans d'autres séries de bandes dessinées. Il faut absolument, moi j'adore Silex in the City, si vous lisez les BD, c'est absolument drôle, c'est-à-dire que ça fonctionne par association d'idées. Hein, déjà, l'arbre généalogique, il est tout à fait génial. Hein, il y a Julius.com, qui est un ancien de mai 68000 avant Jésus-Christ. Il y a Madame Finkelstein, une amie archéo-yiddish de Julius. Il y a les enfants qui sont des afters darwinistes radicaux. Il y a la fille du couple web.com qui veut se marier à Rahan de la Pétaudière. Donc on voit bien où est l'allusion, qui est une espèce de fils Sarkozy. Mais son père qui s'appelle Krao de la Pétaudière. Krao, c'est le fils dans Rahan, c'est le père de Rahan. Et donc tout ça, c'est plein de subtilités. S'il y a bien quelque chose qui déconstruit la préhistoire avec la projection du présent, c'est bien Silex the City. Silex in the City. Ce qui est rigolo, c'est de voir que dans sa version anglaise, ça s'appelle The Darwiners. C'est un jeu de mots entre Darwin et Winners, les gagnants, les vainqueurs. Une série paléolithiquement incorrecte. Et pour moi, c'est une des meilleures et des grandes relectures de la préhistoire. Et puis, il y a toujours cette approche esthétique, c'est-à-dire que qui continue, où là, on va voir un certain nombre d'artistes qui vont... tout simplement regarder les dessins préhistoriques pour leur qualité artistique. Et c'est assez bluffant de voir que ces créateurs qui ont fait ça il y a des milliers d'années ont un geste qui parle encore aujourd'hui aux créateurs. Donc, il y a plusieurs volumes de l'art de préhistorique par Éric Lebrun, qui est vraiment quelque chose que je vous recommande. Il y a également cette bande dessinée de rupestre chez Futuropolis par David Prudhomme. C'est David Prudhomme qui a emmené ses copains pour visiter les différentes grottes ornées du paléolithique et ils racontent leur aventure, et c'est un partage, je dirais, de l'éblouissement, de la sidération que ces dessins, ces créateurs du passé ont pu transmettre jusqu'à aujourd'hui. Et j'aime bien citer André Malraux dans Les Voix du silence, qui, parlant de ces représentations rupestres, disait que ces artistes
avec son style un peu ampoulé, arrache aux nébuleuses le chant des constellations. Merci. La parole est à vous, si vous souhaitez réagir ou interroger notre intervenant. Il y a cette phrase de Sacha Guitry qui dit « Ah Mozart, même le silence qui suit la symphonie est encore de lui. Ah. » Est-ce qu'en ligne, on a des réactions? Non plus, pas pour l'instant. Est-ce qu'on... Juste une petite question. On a vraiment des, enfin nous, moi, quand on a travaillé sur le projet d'exposition au Palais aux Bulles, on a senti vraiment que ces dernières années, on avait vraiment une très large diversification des courants de la bande dessinée et que finalement, autant, et vous le disiez un tout petit peu, on avait des grands stéréotypes, autant on avait le sentiment que les auteurs plus contemporains de bande dessinée s'affranchissaient vraiment de bon nombre de règles pour pouvoir rebasculer ou s'imprégner de la préhistoire sur bien d'autres types d'approches et réinvestir ça pour explorer des fois le conte, des fois le roman, des fois, enfin voilà. Est-ce que c'est est-ce que ce sentiment un peu de libération s'observe aussi sur est-ce que c'est propre à tous les courants de la bande dessinée ou est-ce que c'est cette capacité d'imaginaire de la préhistoire qui augmente ce dispositif-là? Je pense qu'il y a un double processus. Le premier processus, c'est que il y a 20 ans, il devait y avoir 500 nouveautés de bandes dessinées par an. Aujourd'hui, il y en a 5000. Donc, ce qui veut dire que il y a un effet de marketing que c'est qu'il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, on avait des auteurs qui ne pensaient pas trop à leur public, qui restaient dans le domaine de l'aventure sans trop réfléchir. Aujourd'hui, face à la concurrence, on est obligé de segmenter. Et donc, cette segmentation s'accompagne de deux types de comportements. Soit on va chercher la caution des historiens ou... d'entreprises d'établissements comme celui-ci, parce qu'on est conscient que les bouquins vont rester en pile dans les librairies et que sans cette caution scientifique, elle risque de ne pas s'y trouver. Et puis, il y a l'autre tropisme qui consiste à se saisir de la préhistoire pour une expression artistique originale. C'est-à-dire qu'effectivement, on pouvait se permettre un peu beaucoup plus les clichés dans les années 50, parce que c'était relativement neuf comme sujet, et puis le public était à la recherche de clichés. Aujourd'hui, la bande dessinée a un tel statut qu'on peut plus se permettre de rester dans les clichés éculés, parce que très vite, on aurait une réaction du public, une réaction des lecteurs qui critiqueraient cette approche, et les réseaux sociaux savent comment faire pour donner des réactions des lecteurs. Donc cette richesse, en fait, elle vient de là. Et c'est interactif, c'est-à-dire qu'on a affaire à des auteurs qui sont beaucoup plus matures aussi qu'ils n'étaient dans les années 50, qui sont plus exigeants et qui vont donc faire des recherches historiques, sérieuses, consulter parfois des savants, aller chercher la toute dernière trouvaille parce que cette dernière trouvaille va donner l'idée de scénario qui va permettre de renouveler le genre. Et donc, ce sont ces deux choses-là qui conduisent la créativité d'aujourd'hui. Et quand, par exemple, Davodeau, Guibert, Prudhomme vont dans les grottes pour voir ces dessins-là, c'est aussi pour apprendre de la préhistoire.
pour aussi pour apprendre de ces artistes immémoriaux. Je pense que cette bande dessinée est de plus en plus créative et elle s'accompagne d'une concurrence. C'est-à-dire, on voit bien, par exemple, que la production américaine des comics, je pense à Conan le Barbare, où là, on perpétue et on reste dans le cliché, ce qui fait que cette BD, les comics sont en très grande perte de vitesse parce que je pense que les gens commencent à en avoir marre d'avoir des récits répétitifs comme ceux-là. En revanche, du côté des Japonais, vous savez qu'aujourd'hui, deux bandes dessinées sur trois consommées en France sont des mangas. Du côté des Japonais, il y a véritablement une recherche de sujets historiques de plus en plus pointus, de plus en plus, pas forcément avec une grande rigueur historique, mais quand même avec des recherches de points de vue très différents. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté des mangas, moi, je ne connais pas aujourd'hui d'approche préhistorique. C'est pas un sujet qui intéresse les Asiatiques. Peut-être parce que l'homme de Néandertal et de Cro-Magnon sont plutôt africains, européens, on ne sait pas. Mais pour le moment, à ma connaissance, c'est pas un sujet. Mais peut-être qu'un jour, les Japonais vont se saisir de ce sujet. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils le fassent un jour. C'était justement la question que j'allais vous poser, parce qu'on est, vraiment avec des auteurs occidentaux, alors que de plus en plus, même si la recherche en préhistoire, en archéologie, est née effectivement par ici, en fait, et puis a surtout préoccupé le monde occidental, on sait que maintenant, beaucoup de découvertes se situent plutôt en Asie, ou bien sûr en Afrique, mais dans d'autres... Elle est en train de se mondialiser aussi, la connaissance de l'homme, parce qu'on découvre de plus en plus que l'homme, finalement, a occupé bien d'autres espaces à travers le monde, et que même si la conservation n'est peut-être pas la même, les conditions de conservation ne sont pas les mêmes, il y a d'autres cultures à travers le monde. Et donc, je m'interrogeais sur, autant sur, au travers de la recherche, au travers de la littérature, effectivement, on est très marqué par cette antériorité, on va dire, européenne ou occidentale. Autant je me disais que peut-être qu'au travers de la bande dessinée, qui est un média beaucoup plus contemporain, beaucoup plus diversifié, on aurait pu penser qu'en Asie, on se soit emparé de ces sujets-là. Ce n'est pas le cas, semble-t-il. Et je pense qu'il y a une question de tropisme. Il ne faut pas oublier non plus que le reste du monde a raison durablement traumatisé par la projection occidentale. Il faut quand même rappeler que le génocide au Rwanda repose sur une fabrication racialiste entre les Hutus, les Tutsis et les Bois, qui a créé un génocide de presque 1 million de personnes, là, en 1994. Ces productions ne sont pas anodines. Elles continuent aujourd'hui à se prolonger, et elles trouvent leur réplique en Asie, justement. Il y a une projection de l'homme asiatique qui est en concurrence avec celle qu'on a aujourd'hui et dont on ne s'est pas vraiment débarrassé. Et donc, c'est sûr que il faudrait s'appuyer sur les travaux nouveaux venus d'Asie ou d'Amérique du Sud aussi, ou d'Afrique, fait par des Africains, par des peuples qui vont peut-être donner une nouvelle image de la préhistoire, débarrassée de ces présupposés racialistes qu'on traîne depuis le 19e siècle, enfin même depuis le 18e siècle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous voyez où nous mène la bande dessinée quand même. Une réaction ? Bon, eh bien alors je pense qu'on va s'en tenir là. Alors si oui, la conclusion, c'est que en lisant les bandes dessinées, on peut se dire que l'histoire de la préhistoire est à réécrire. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup à Didier Passamonique. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus. Le prochain rendez-vous qui vous est proposé va être un dialogue. On restera dans la bande dessinée puisque nous accueillerons donc Emmanuel Roudier ici, donc le 3 mars prochain, et qui viendra discuter avec Antoine Balzo, qui est donc paléo-anthropologue au Musée national d'histoire naturelle, notamment sur cette articulation que vous avez évoquée dans vos propos entre ce souci de restituer la connaissance scientifique et puis cette volonté aussi de conserver une part de création artistique. Et puis le dialogue avec les historiens. Et complètement. Parce voilà. que Uderzo demande à un historien, est-ce que les Gaulois avaient une cheminée et un âtre dans leur maison ? Il n'a jamais pu, jusqu'à présent, trouver la réponse d'un historien. Donc c'est intéressant. Et vous verrez à quel point Roudier est un expert. Parce que les dessinateurs se posent des questions que les historiens négligent de se poser. C'est comment on mange, comment on s'assoit, comment on dort, sur quoi on dort. Des choses extrêmement pratiques parce qu'il faut les dessiner. Et donc, vous allez voir à quel point ce dialogue va être productif. Et donc, ce dialogue Balzo-Roudier, c'est le 3 mars. Et une semaine après, on aura un autre dialogue donc, entre une historienne des sciences, cette fois, donc Claudine Cohen, et puis Charles Frégé, qui est donc un photographe, un artiste photographe de renommée internationale, et qui viendront là aussi interroger alors encore d'autres types d'interrogations, puisque là, ça, forcément, le fait de représenter les choses, que ce soit à travers de la photographie pour Charles Frégé, ou que ce soit à travers la bande dessinée, forcément, ça, c'est aussi porter un regard sur ce que l'on est et sur ce que l'on est, le cadre de référence dans lequel on se situe. Et c'est à travers de ce dialogue-là que, effectivement, qui sera mis en perspective par Claudine Cohen à cette occasion-là. Voilà. Donc les deux prochains rendez-vous du pôle, le 3 mars, Roudier et Balzo, et puis c'est pas une semaine après, c'est 15 jours après, le 20 mars, donc Claudine Cohen et donc Charles Frégé. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et donc à bientôt. Au revoir.